Ce qui se montre est une vision de l'invisible. Ce qui varie est d'accord avec soi. Il y a une harmonie de tension opposée comme celle de l'arc et de la lyre. Puissance, équilibre, proportion. Une harmonie, une seule donne à l'âme un calme parfait, l'harmonie dorienne, dit Aristote. Le matériau est le marbre extrait des carrières du mont Panthélique. L'architecte est Ictinos, le maître d'œuvre, Callicrate, le sculpteur Phidias. Les travaux commencés en 447 avant Jésus-Christ sont achevés en 432. L'œuvre accomplie au temps de Périclès par cette petite Athènes de tout juste 150 000 habitants compte parmi les plus étonnantes dans l'histoire des hommes. Le 5e siècle est l'âge d'or de la Grèce. Notre constitution est faite pour tous et non pour quelques-uns. C'est pourquoi nous l'appelons « démocratie », dit Périclès. Comment donc voyaient-ils la vie, les hommes de ce temps-là? Les artisans façonnaient avec amour des vases d'une grande beauté, représentant des scènes de la mythologie ou de la vie quotidienne. On y conservait les produits de la terre. Chaudes sont nos oliveraies. Leurs arbres déploient vers nous leurs branches solides. Et la vigne offre ses présents. La terre autour d'Athènes n'est cependant pas riche. On y cultive surtout l'orge, le blé et les lentilles. Mais il y a la mer et ses poissons. L'huile d'olive et le vin grec sont partout fort appréciés. On les exporte. Pour ce faire, on utilise de larges amphores. C'était le conditionnement raffiné de l'époque. Les artisans excellent en tout, ils occupent une place de choix. Je viens de remplir ma cruche à la fontaine. Ce n'est pas facile, dans cette foule mouvante et bruissante du cliquettement des pots. Et comme il se doit, les jeunes filles papotent. Les Grecs jouissent de la beauté du corps et de sa force. Célébrons des jeux et des sacrifices tout au long de l'année. Le vainqueur d'une épreuve offre au dieu que les jeux viennent d'honorer l'hommage de sa victoire, prix de l'effort suprême imposé au corps et à l'esprit. Nous savons l'art de récréer l'esprit après les affaires.
L'élégance de nos coutumes est une source quotidienne de plaisir. Elle nous aide à bannir le spleen. Nous festoyons et savons redonner à l'âme sa jeunesse, et sages entre les sages, nous jouons en paix de la claire harpe. Ces hommes parlent avec l'aisance que la liberté donne au langage, car ils peuvent s'exprimer en paix et rendre un sujet à l'autre à la poursuite d'un seul but, la vérité. Gouverner n'est pas l'apanage d'un petit groupe. 5000 citoyens s'assemblent 40 fois par an pour débattre des affaires de l'État, entre autres de sa puissance navale et militaire, le fondement de sa défense. Souvent éclate la douleur des séparations. Les guerriers doivent quitter leur foyer. Les guerres sont fréquentes. Le guerrier repose son casque. De la violence ne peut naître que la violence. Aucun conflit ne peut engendrer une paix durable. Athéna, fille de Zeus, est la déesse protectrice d'Athènes. Elle admet la guerre quand il le faut, mais elle enseigne aux hommes à vivre en paix du fruit de leur travail. La petite Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ est passée de 150 000 habitants à plus de 2 millions aujourd'hui. Et aujourd'hui, les vapeurs d'essence mettent l'acropole en danger. Autre problème, le chauffage central au mazout. L'usage du pétrole brut n'est plus admis et ces cheminées en forme d'amphore ne cracheront plus leur fumée polluante. Seul le pétrole raffiné sera désormais utilisé dans les chaudières transformées de tous les immeubles. Mais les usines, elles, restent un danger. Malgré la distance, la pollution qu'engendrent les usines atteint la colline de l'Acropole.
Les causes de détérioration sont multiples. Guerre, vandalisme, feu, foudre, explosion, tremblement de terre. Mais ce sont aussi la poussière et les vents, les variations climatiques, les armatures métalliques, les supports de béton utilisés au début du siècle qui ont fait éclater la pierre. Cependant, plus insidieux que tout est l'anhydride sulfureux présent dans l'atmosphère que l'humidité transforme en acide sulfurique et qui attaque le marbre et l'effrite et le dissout en un plâtre sans résistance. Ironie du sort, le danger vient donc de l'espace qui entoure le Parthénon. Lui-même, fils de cet espace, de l'harmonie parfaite qu'il engendre. Et voici que l'air même le mine. La Grèce tente avec ordre et méthode de trouver des solutions en utilisant les ressources techniques du XXe siècle. Les cariatides posent à elles seules un délicat problème. Des moules de plâtre sont ici fabriqués à partir des originaux de l'érectéion. C'est d'un véritable puzzle qu'il s'agit. Chaque morceau du moule doit être retiré à son tour avec la plus grande délicatesse. Dans l'atelier du sculpteur, la surface du moulage ainsi réalisée est minutieusement travaillée. La prochaine étape sera la confection d'un dernier moule, élastique cette fois, dans lequel sera coulé le matériau choisi pour la copie définitive. Actuellement testé en laboratoire, ce matériau sera particulièrement résistant à toute forme d'érosion. Et l'une des solutions proposées consisterait à ériger de nouvelles cariatides à la place des prestigieux originaux autour des piliers métalliques supportant le toit de l'érectéion. Le rocher sur lequel est bâtie l'acropole est lui-même devenu un monument qu'il faut préserver. Or, chaque année, 8 millions de pieds foulent le sol antique et petit à petit réduisent en poussière la pierre séculaire. Les autorités ont déjà fermé aux touristes le Parthénon et les ailes des propylées. Mais la préservation du site exige des mesures de longue haleine qui, sans nuire pour autant à la curiosité et au plaisir des visiteurs, les empêcheraient d'altérer, sans le savoir, l'objet même de leur admiration. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui accomplissent la prophétie de Périclès. Les siècles futurs nous admireront comme nous a admiré notre temps,
Nous sommes l'école de la Grèce. Quel héritage nous ont laissé les sculpteurs de l'Antiquité grecque. Si l'on cherche la beauté de la forme, il faudrait être bien maladroit pour ne point voir que la beauté de tous les corps est une et identique. La tragédie est peut-être l'expression la plus profonde du génie grec, sans doute parce qu'elle en révèle l'essence même. Le théâtre grec est aujourd'hui aussi vivant qu'à sa naissance, Mélina Mercouri évoque la Médée d'Euripide. Κάτι αγώνες και αυτό να το βασιλικό προξενητή κάποιοι μικροί κάιμοι τον περιμένουν. Νομίζεις θα τον καλόπιαν ποτέ εγώ παρά για δικό μου κέρδος την ανάγκη μου πως θα μιλούσα εγώ σε αυτόν πως θα τον άγγιζα. Στο χέρι του ήταν να χαλάσει κάθε μου τέχνασμα ξεριζώνοντάς με. Μια μέρα μου δώσε μια μέρα γυναίκες. Φτάνει για μια βασιλική ταφή και για δυο νιόγαμπρους. Μύρθη για τα μονοπάτια του θανάτου αγαπημένης μου. Δεν ξέρω ποιον να πρωτοπάρω. Φωτιά να ανάψω στο νηφικό τους δώμα ή το σιωπηλό μαχαίρι στα χορτάτα του σηκώτια. Εκεί που θα αναπαύονται. Στις νύχτας στο παλάτι βήματα σκερά. Περίμενε. Εδώ είναι. Αν με πιάσουν με το σκοπό μου ξεδικάρωτο στο χέρι πεθαίνω. Και ο τελευταίος απόϊχος της ζωής στα αυτιά μου θα είναι το γέλιο του. Καλύτερα μην ξεστρατίζεις από τον ισιοδρόμο μύδια. Από τη γνώση που κυλάει στο αίμα σου. Με το φαρμάκι να αγοράσεις τη ζωή τους. Αχ, πίκρος λίγμος ο γάμος τους. Πίκρο το προξενιό τους. Κι ώρα που εμένα εξόριζαν. Μυρία, την επιστήμη την κατέχεις. Και πάνω απ' όλα γεννήθηκες γυναίκα. Μας λένε άχρηστες για το καλό. Τότε ας γεννούμε του κακού. Οι πανσοφοί τεχνίτες. Euripide,
Hérodote, Hippocrate, Aristote, Pythagore, Échille, Sophocle. La liste de ces géants, dont Homère fut le premier, est interminable. Au-delà des monts et des mers de ce monde, se dressent ces fils immortels de l'esprit. L'âge de Platon et de son maître, le grand Socrate. Un âge de philosophe, de savant, d'architecte, de sculpteur et d'auteur dramatique dont les œuvres ont depuis lors inspiré l'humanité. Bien-aimés, et vous, tous les dieux de ces lieux, accordez-moi la beauté de l'âme et que le monde extérieur soit en harmonie avec mon être profond. Que pour moi le riche soit le sage et qu'il n'existe d'autre richesse que la mesure. Athènes est plus qu'une ville. Elle est devenue un symbole. Le symbole de ce que l'homme peut accomplir lorsqu'il croit en lui-même. En dépit de périodes d'obscurité, au temps même de Périclès, un flambeau fut levé en Grèce il y a quelque 25 siècles. Il ne s'est jamais éteint, il éclaire toujours.